Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un jeune homme aimait sa camarade de classe, mais elle ne le remarqua pas. Des années plus tard, il eut l'occasion de lire son journal intime et ce qu'il découvrit le fit pleurer. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. En classe de 3e, j'étais assis un jour au cours d'anglais. Je regardais la fille assise en face de moi. Elle était ma soi-disant meilleure amie. Je la regardais depuis longtemps avec ses cheveux soyeux et je voulais qu'elle soit à moi, mais elle ne savait pas que je l'aimais. Je savais qu'après le cours, elle viendrait me voir pour me demander des notes de cours qu'elle avait manquées la veille. Je les lui avais données. Elle me remercia et m'embrassa sur la joue. Je voulais tout lui dire pour qu'elle sache que je ne voulais pas qu'on soit juste des amis. Je l'aimais, mais j'étais si timide, je ne savais pas pourquoi. Un an plus tard, en classe de seconde, mon téléphone sonna. Elle était au bout du fil. Elle était en larmes. Elle m'annonçait que son petit ami lui avait brisé le cœur et me demandait de venir parce qu'elle ne voulait pas être seule. J'y suis allée immédiatement et alors que j'étais assis sur le canapé près d'elle, je regardais dans ses beaux yeux en souhaitant qu'elle soit à moi. Après 2 heures de film et 3 paquets de chips, elle décida d'aller au lit. Elle me regarda et me remercia en m'embrassant sur la joue. Je voulais lui dire que je ne voulais pas être juste un ami, mais j'avais la gorge nouée. En classe de terminale, la veille du bal de fin d'année, j'étais devant mon casier lorsqu'elle vint m'annoncer que son petit ami était malade et qu'il n'irait pas mieux le lendemain. Comme je n'avais pas de petit ami à l'époque et en plus, nous étions promis de toujours nous soutenir mutuellement depuis la classe de 5e, alors nous sommes allés au bal de fin d'année ensemble, mais comme des amis. Ce soir-là, après la fête, je me suis tenue près d'elle, près de sa maison. J'ai regardé son sourire et ses yeux de cristal. Je voulais qu'elle soit à moi, mais elle ne l'a pas remarqué. Elle m'a dit « J'ai passé un moment merveilleux avec toi, merci ». Elle m'a embrassé sur la joue. Je voulais une fois de plus lui dire que je ne voulais pas qu'on soit juste amis, mais je n'en eus pas le courage. Le jour de la remise des diplômes, je la regardais et elle ressemblait à un ange volant vers la scène pour son diplôme. Je voulais vraiment qu'elle soit à moi, mais elle ne voyait pas mon amour. Avant que tout le monde ne rentre à la maison, elle s'approcha de moi dans sa fabuleuse robe blanche et son chapeau. Elle était en larmes quand je la pris dans mes bras. Puis elle posa sa tête sur mon épaule en disant « Tu es mon meilleur ami, merci beaucoup ». Et elle m'embrassa sur la joue. Et une fois encore, je restais muet, pétrifié par la timidité et la peur. 2 ans plus tard, nous nous sommes rencontrés par hasard dans un parc. Je me souviens de ce jour-là, comme si c'était hier. Je me rendais au travail avec mon sac à dos, elle marchait avec son amie. Mais quand elle me vit, elle courut vers moi, me prit dans ses bras et m'embrassa sur la joue. Elle dit à son amie que j'étais son meilleur ami. Je l'aimais depuis si longtemps, mais j'avais tellement peur de lui dire. Quelques années plus tard, j'étais assis sur un banc d'église, assistant impuissant à son mariage. Je la vis dire « oui ». J'avais aussi commencé une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, même si je voulais toujours qu'elle soit à moi, mais elle ne le savait pas. Mais avant de partir, elle vint me voir pour me dire « oh, tu es venu, merci ». Et elle m'embrassa sur la joue. Même dans sa robe de mariée, j'eus encore envie de lui dire ce que je ressentais pour elle, mais je restais silencieux. Des années ont passé. Aujourd'hui, je regarde le cercueil dans lequel repose la fille dont j'ai toujours rêvé et qui a toujours été ma meilleure amie. Ils ont lu son journal intime qu'elle a tenu toutes les années de sa vie scolaire. Voici ce qui y était écrit. Je l'ai regardé en voulant qu'il soit à moi. Mais il ne connaissait pas mon amour pour lui. Je voulais lui dire que je ne voulais pas être juste une amie. Je l'aimais, mais j'étais tellement timide. J'aurais tellement voulu qu'il me dise qu'il m'aime. Ne manquez pas ces moments qui vous feraient perdre votre bien-aimé.
Peut-être es-tu amoureux ou amoureuse d'une personne actuellement, mais tu manques de courage pour déclarer ta flamme. Ne passe pas à côté de ton bonheur. Sache que la vie est tellement courte pour se réveiller avec des regrets. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.